Voilà mes Julifius, on se retrouve pour un nouveau Soit vous. Aujourd'hui, je teste pour vous les Color Bursts de Revlon. Vous l'aurez constaté cette saison, les crayons à lèvres taille jumbo ont la cote. Revlon nous propose donc 20 teintes dans 3 textures différentes. Les baumes lac avec un fini ultra brillant. Les baumes mat avec un fini velours. Et enfin les baumes encre comme des voiles de couleurs modulables sur les lèvres. En plus, ils contiennent du beurre de karité, de mangue et de coco, ce qui laisse les lèvres super hydratées. La texture est fondante, s'applique facilement sur les lèvres et il y a un petit côté mentholé qui donne cette fraîcheur aux lèvres. Allez, sans plus vous faire attendre, je vous présente les lacs puis les mats. C'est parti! On commence avec Whimsical. Whimsical est un rose divin. Il n'a pas de sous-ton froid et se porte facilement. Je vous conseille aussi bien pour des peaux foncées que pour des peaux claires. Maintenant, Vivacious. Vivacious est un petit peu plus fuchsia que le précédent, mais on voit qu'il y a un petit sous-ton saumonné qui lui apporte cette lumière. Il est vraiment facile à marier dans une tenue de tous les jours. Hop, il s'applique comme ça sur la lèvre et c'est parti, on y va. Coquette. Coquette est un rose un peu plus bleuté, donc un peu plus froid. Vous verrez que sur moi, il fait quand même assez naturel. Je pense que sur des peaux plus claires, il ferait quand même un peu plus rosé. Koi Timide. Alors celui-ci, pour le coup, c'est le plus naturel sur mes lèvres, en tout cas. Sur une peau plus claire, ça va apporter un certain caractère. Je pense que ça peut passer très bien, surtout ce sont les couleurs tendances, donc n'hésitez pas à essayer. Cette saison, le orange revient sous toutes ses formes. Moi qui ne suis pourtant pas fan d'orange, celui-ci je l'aime beaucoup beaucoup et je sens que je vais le ressortir plusieurs fois. La couleur est présente, mais pourtant ça fait pas petite mamie. Provocateur femme fatale. Alors le nom parle de lui-même. Encore une fois, pour celles qui n'ont pas l'habitude de porter du rouge, ces textures un peu transparentes, c'est ce qu'il y a de mieux, surtout en forme de crayon. Ça ne donne pas l'impression de porter quelque chose de trop intense. C'est vraiment à essayer et à adopter. Vous avez aimé les laquer? Attendez de voir les mats, vous allez craquer. Teint d'art remarquable. La tenue est vraiment super. Il se porte super bien, je le conseille pour toutes les carnations. Il est ni trop rose, ni trop rosé, ni trop bleuté. C'est le rouge comme il faut. Vraiment, celui-là, c'est un de mes chouchous. Striking spectaculaire. Celui-ci est un peu plus orangé que le précédent. Sur les lèvres un peu plus claires que les miennes, il fait ce petit côté poupée intouchable, juste fabuleux. Élusive insaisissable. Alors celui-ci n'est pas celui que je porterai tous les jours sur ma carnation en tout cas. Il est légèrement trop clair, mais sur les peaux plus claires, il va être fabuleux. Mais pour celles qui aiment le côté un peu Nicki Minaj, n'hésitez pas parce que ça fait pas non plus vulgaire. Sultry sulfureuse. Encore une couleur qui va sur toutes les carnations. Même la plus foncée, il va se fondre. Et si jamais ça ne va pas, avec un autre, un petit crayon à lèvres, suffit de le mélanger. Et puis vous pouvez les mixer aussi. Audacious. Alors enfin un corail qui va avec ma carnation. Alors celui-là, je l'aime et je le ressortirai, c'est sûr. Je le conseille pour les peaux foncées qui cherchent un corail. Et même pour les plus clairs, il est très beau. Regardez-moi comment il est lumineux. Un apologétique sans remords. On est sur un fuchsia totalement. Ce qui est bien avec celui-ci, c'est qu'il ne va pas faire de petits stries sur la lèvre, il ne va pas craquer, la texture reste bien en place. La pigmentation est juste fabuleuse, alors surtout n'hésitez pas. Alors, sur lequel allez-vous craquer, mes Julicious? Je vous fais de très gros bisous. Je vous invite à voir le Swatchbooks des Lip Gloss Julicious. Allez, ciao, ciao!